J'ai trouvé très bien la question de savoir si les coopératives d'habitants n'étaient pas un peu communistes et pourquoi on ne les appelait pas simplement écoquartiers. Je trouve que ça pose bien les enjeux en fait, et les sous-entendus qui sont forcément présents dans un débat comme ça. Et si on revient justement sur l'histoire et un petit peu savoir comment faire pour que le mouvement des coopératives d'habitants puisse s'inscrire dans quelque chose qui fait du sens et qui fait du sens et du sens commun, c'est-à-dire qui se réfère à une histoire qui n'est pas simplement l'histoire des individus qui composent ces groupes. Et je pense qu'effectivement, on est obligé de se référer à l'histoire du mouvement ouvrier en Suisse qui date quand même de plus de 200 ans. Et on est aussi obligé de s'inscrire dans l'histoire des luttes de quartier à partir des années 80 dans toute la Suisse et pas seulement, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il faut quand même se souvenir que si c'est à Genève et à Zurich qu'il y a des coopératives d'habitants, c'est aussi parce qu'il y a eu à Genève et à Zurich des quartiers entiers qui ont été occupés à un moment donné parce qu'ils étaient laissés vides. En tout cas, c'était l'intention de les laisser vides pour pouvoir après les détruire et faire des grandes opérations immobilières. Je pense aux grottes à Genève et Saint-Gervais. À Zurich, je ne connais pas les noms des quartiers, mais j'ai bien connu ce qu'il y a eu après, c'est-à-dire un vaste mouvement qui était au départ totalement illégal, c'est-à-dire les squats, et qui a cherché, et je pense que ça a été très bien décrit avant, les interstices, les façons de pouvoir pérenniser en fait une façon de vivre. Et ces mouvements-là, dans les endroits où ils ont réussi à construire ce qu'on peut appeler une hégémonie, c'est-à-dire une hégémonie, c'est pas qu'ils imposent un pouvoir sur tous, mais c'est réussir culturellement à asseoir un nouveau sens commun. Et le sens commun à Genève, à la fin des années 90, c'était quand même, oui, mais si un bâtiment est laissé vide, alors c'est normal qu'il y ait des gens qui habitent dedans. Et pourquoi c'est bien qu'il y ait des gens qui habitent dedans? Ah, ben parce qu'en fait, on ne veut pas qu'il y ait que des commerces. Et pourquoi on ne veut pas qu'il y ait que des commerces? C'est parce qu'en fait, on aime bien vivre dans un quartier. Ah, on aime bien vivre dans un quartier. Ah, ben ça tombe bien, on habite déjà dans un quartier. Et donc là, des gens qui n'ont jamais squatté, qui n'ont jamais été ouvriers non plus, tout à coup se rendent compte que Une des caractéristiques fondamentales de la culture ouvrière urbaine, c'était justement la vie de quartier. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut récupérer et qu'on peut essayer de comprendre au-delà de simplement nos envies, disons, individuelles ou des parcours qui sont évidemment importants. Mais la question, le besoin de durabilité dans un quartier qui est quand même la base de la notion d'éco-quartier, c'est un quartier construit selon les principes du développement durable. C'est très bien, mais c'est vrai que peut-être que ce n'est pas suffisant pour inscrire ça dans un imaginaire, dans un récit du long terme. Et le long terme, c'est aussi en Suisse une histoire c'est l'histoire du capitalisme, mais c'est aussi l'histoire des luttes ouvrières. Et je pense que ce qui est intéressant dans le mouvement coopératif, c'est qu'il est assis sur les deux pieds de cette... On a en même temps des gens qui sont des entrepreneurs, qui sont des architectes, même des financiers, qui prennent la décision d'agir dans un champ qui n'est pas tout à fait le leur non plus, qui est celui du social. Et je pense que c'est peut-être ça qui sera la piste pour construire des ponts avec d'autres secteurs du mouvement coopératif aussi, parce qu'il n'y a pas que les coopératives d'habitation. Je voulais simplement émettre une mise en garde, au moins en ce qui concerne la France, et je ne sais pas effectivement si c'est applicable à la Suisse, mais ce qui est intéressant avec ce qui est en train de se passer à Genève, c'est que la ville est capable de confier un quartier à un groupement de coopératives. Mais ce qu'on voit en France, c'est que de plus en plus, les villes ont tendance à dire « Ah, ça nous coûte trop cher de faire de l'urbanisme, on aimerait bien que quelqu'un le fasse à notre place ». Dans ce cas-là, c'est effectivement, ils confient le travail à un groupement de coopératives, mais ça peut aussi être des entrepreneurs. Disons, des sociétés comme Bouygues Immobilier, Vinci, parmi les plus grosses sociétés de travaux, bâtiments et travaux publics du monde, qui peuvent prendre la responsabilité d'un quartier de 50 hectares et vous construire un éco-quartier, si vous voulez. Bon. Vous émettez le cahier des charges, vous émettez ce que vous voulez au niveau de logements sociaux, etc., etc. Ils vont vous le faire. Mais ne comptez pas sur la participation citoyenne. Ils peuvent effectivement mettre des éléments dans le dossier qui vont faire semblant de faire participer des gens. Mais n'y croyez pas.
Et donc, si effectivement vous voulez vraiment vous occuper, vous immiscer dans les processus de planification, disons, faites-le. Mais ne laissez pas vos élus choisir de confier la tâche à quelqu'un d'autre, en vous excluant. Je pense que la question de la participation, elle est super intéressante là-dessus. Et pour compléter un peu ce qui vient d'être dit, il me semble qu'il y a souvent une espèce d'incompréhension. Traditionnellement, il y a un modèle d'un côté, les entreprises qui vont développer des projets immobiliers, puis de l'autre côté, l'État qui est censé réguler la chose, puis qui est censé proposer des projets. Puis je pense qu'il y a aujourd'hui clairement un troisième axe, qui est celui des communs. Okay, une coopérative d'habitation, c'est un commun. Et ceci n'est pas en soi politique. Ceci est simplement un groupe d'habitants qui a une demande, qui structure sa demande et qui va avoir des appuis des acteurs publics, qui va négocier des appuis des acteurs publics, qui va négocier des partenariats avec des acteurs de la construction. Mais finalement, c'est cette espèce de... Ouais, c'est une forme de d'autre vision qui n'est pas soit à gauche, soit à droite, mais finalement, c'est un commun, un groupe d'habitants qui va porter un projet qui, lui, est, qui en est le porteur de A jusqu'à Z et qui n'est pas juste un participant à une démarche d'aménagement public ou un participant à une démarche d'aménagement privé. Daniela, tu voulais compléter là-dessus ? Bon, les coopératives sont ce sont des choses, c'est une propriété commune et on pourrait l'élargir sur le niveau plus grand parce que à qui appartient la ville ? À nous, à toutes les divers gens. Et c'est nécessaire d'avoir... Qu'est-ce qui caractérise une ville ? C'est la mixité des gens différents, tout différents. Et si l'État était capable de faire ça d'une manière participative, il garderait le terrain, il ferait un processus participatif avec les gens, tous les gens qui s'involvent, mais aussi les gens qui sont responsables, assez responsables, de penser que c'est pas seulement moi et les miennes, c'est... ce sont beaucoup de gens avec beaucoup de besoins. Et si on pense aussi au but d'une ville, comme Zurich, je ne sais pas, Genève, Zurich a le but de 2020 société. Bon, c'est très loin, mais ça signifie qu'il faut faire quelque chose avec la mobilité, il faut faire quelque chose avec les mètres carrés par personne, avec l'isolation, avec je ne sais pas quoi. C'est pas si loin, c'est pas gauche ou droite, c'est seulement parce que ce n'est pas possible que nous, tous ensemble, le ferons. Ce sont la coopérative XX et 7. D'autres contributions sur ce sujet ? Alors, moi, pour revenir sur ces questions de l'État aussi, de la ville qui donne le travail aux citoyens, c'est vrai que je pense que pour un État, ce sera toujours plus facile d'avoir un interlocuteur, c'est-à-dire que le réflexe, ça va être justement d'aller vers une entreprise totale ou vers une personne. On sent bien, hein, même chez des élus de gauche à Lausanne, que d'avoir 15 ou 20 participants à une séance, ça les embête un peu. Ils préfèrent avoir une personne, ils ont une idée. Donc on voit que vraiment, là, il y a un lobby qui est aussi super important à faire. C'est que, je veux dire, comme on parlait d'Yverdon, où là, c'est plutôt un municipalité qui est plutôt un peu de droite, ça va être un peu plus compliqué d'aller vendre ça, parce que justement, il faut aussi un peu sortir de cette idée. Donc
c'est vrai que là, il y a vraiment quelque chose d'important à faire. Puis quand on regarde aussi un peu l'historique, effectivement, on vient des milieux des squats, hein, tout ce milieu coopératif. Donc de toute façon, je pense qu'on a toujours un peu plus ancré à gauche. Ça, c'est aussi un peu la réalité de ce qu'on voit. Et que si on n'avait pas des politiques qui étaient intéressées à justement sortir tous ces terrains du marché spéculatif, en réalité, ce serait pour nous très compliqué d'avoir accès à la terre. Donc ça, je pense que aussi heureusement qu'on a des gens qui nous appuient et qui nous aident là-dedans et qui mettent à disposition ces termes. J'ai juste un tout petit truc pendant que tu as apporté le micro. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Lausanne, à majorité de gauche, met à disposition des terrains qui ont été acquis par la majorité radicale pendant des dizaines d'années. Donc merci le parti radical de l'époque, PLR d'aujourd'hui, d'avoir fait cette politique foncière active qui permet aujourd'hui de gaspiller ce terrain. Bonsoir. J'aurais aimé poser la question du renouvellement dans les coopératives, parce que j'imagine que donc il y a les premières personnes qui fondent les coopératives, et puis un jour, ben, les gens vieillissent. Certaines personnes, j'imagine, quittent aussi les coopératives. Et ça m'a fait penser à ce que vous posiez un peu comme thème de départ, à savoir comment on fait pour rapprocher les coopératives ensemble, leur donner aussi de la visibilité. À un moment donné, je me suis demandé si je ne pouvais pas rejoindre une coopérative qui existait déjà. Et bon, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour trouver une liste exhaustive, par exemple, des coopératives qui décriraient un peu leurs valeurs, ou des personnes que je pourrais aller rencontrer justement pour, ben voilà, pour demander s'il n'y a pas des places qui se libèrent. Voilà. Alors c'est cette question-là du renouvellement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Okay. Donc, je crois qu'il y a deux questions en fait. Une première qui pose la question de ben, comment est-ce que ça se passe une coopérative finalement entre les militants qui la créent et puis ceux qui viennent s'y installer. Je pense qu'il faut juste faire cette distinction. La coopérative, c'est un logement d'utilité publique. Donc on n'est pas en train de construire quelque chose pour soi-même, pour venir y habiter. On est en train de produire quelque chose pour la longue durée. Et puis il va y avoir plusieurs habitants qui vont y venir successivement. Et on est en train de faire finalement un objet commun. Et du coup, évidemment, il y a des rotations. Évidemment, sur la durée, il y a des gens qui changent. Et puis la coopérative, ben, c'est simple, vous mettez une part sociale à l'entrée. Quand vous partez, vous reprenez votre part sociale. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Chaque coopérative a sa procédure spécifique. On ne va pas pouvoir rentrer en détail là-dessus, mais c'est clair, il y a de la rotation là-dessus. Il y a même à Zurich, je crois, une plateforme d'échange pour les gens qui ont des appartements trop grands dans la coopérative, puis d'autres qui ont des appartements trop petits pour faire des échanges d'appartements entre les coopératives. Peut-être que tu nous en diras un mot, hein. Mais ouais. Et puis il y a une deuxième question qui est finalement comment je fais moi si je veux voir la liste de toutes les coopératives d'habitation. C'était ça, non, un peu genre où est-ce qu'elle est cette liste? Ben, on est d'accord, on la cherche encore un petit peu. Il y a une piste qui est effectivement le site de l'ARMOUP, l'association romande des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, un autre nom barbare. Et je pense que là vous avez la liste normalement toutes les coopératives d'habitation romandes. Maintenant, dans ça, bah, vous serez un peu perdu pour savoir qui est qui, mais on travaille ferme sur savoir finalement quelle est cette cartographie des coopératives d'habitants en Suisse romande et en Suisse. Je pense que c'est un vrai sujet sur lequel on est en train de travailler, donc je pense que voilà, ça reste à creuser et ça reste à développer. Bonsoir. J'ai des questions. Je voulais savoir, en fait, pour la mixité sociale, vous pensez d'interagir qu'avec des coopératives, aussi avec des autres acteurs privés? Si je ne me trompe pas, pour la Plaine des Loups, il y a dans le même îlot de programmes de coopératives et de programmes privés, donc des PPE, j'imagine. Ce que je trouve intéressant pour une ville durable, c'est justement la mixité sociale qui est faite par différentes catégories de personnes et la cohésion. La cohésion sociale vient dans l'espace public. Donc, je pense que c'est aussi intéressant de trouver un dialogue avec les autres acteurs de la ville. Et l'autre question, c'est au niveau du projet à Genève,
comme vous dites, que les coopératives, les habitants vont faire les projets d'un quartier, mais et après il passera, si je ne me trompe pas, aux architectes ou aux urbanistes. Mais en fait, comment des habitants peuvent avoir des compétences techniques pour amener bien un projet? C'est pas, je ne connais pas les modes de fonctionnement des coopératives, peut-être c'est le cas. Mais ce que c'est intéressant, peut-être avoir des groupes de travail, des techniciens ou qui s'occupent d'écologie, d'agriculture urbaine ou justement d'ingénierie physique pour accompagner les habitants et créer un projet cohérent de façon qu'après toute la légalisation de ce projet soit plus facile et cohérent avec les désirs des futurs habitants. Merci. Alors je réponds sur la première partie, lausannoise et les plaines du Loup. Alors la mixité, elle peut se faire à différentes échelles. Elle peut se faire, on peut tenter de la faire à l'échelle de l'immeuble, on peut tenter de la faire à l'échelle des îlots, des pièces urbaines. On a 5 qui sont prévus dans la première partie et d'autres plus tard. Et on peut faire, essayer de la faire à l'échelle du quartier. Et disons que c'est, quand on construit du neuf, c'est quand même assez difficile de faire la mixité sociale à l'échelle de l'immeuble, parce que ben, voilà, un 100 mètres carrés, il va quand même revenir à peu près à 2000 francs. Et c'est plus cher que de subventionner. Donc, il faut, pour faire de la mixité sociale à l'échelle d'un immeuble, il faut trouver des partenaires pour faire du logement pour d'autres populations, pour accueillir du subventionné, pour intégrer d'autres, des personnes, peut-être des réfugiés. Alors, la ville, elle nous a pas. On a demandé du subventionné pour faire de la mixité à l'échelle de notre immeuble, on ne l'a pas eu. Par contre, il y a d'autres coopératives plus traditionnelles qui ont quasiment que du subventionné. Mais heureusement, elles sont dans la pièce urbaine, dans la même pièce urbaine. Donc, dans notre pièce urbaine, par exemple, on aura à la fois de la PPE, coopérative d'habitants, et du subventionné. Et une des discussions, c'était dans la planification de cette pièce urbaine. Donc, où est-ce qu'on va se répartir, est-ce qu'on sera voisin ou pas, on tient vraiment à cette... à pas mettre les deux coopératives d'habitants dans un coin, mais moi j'aimerais beaucoup que notre coopérative puisse être aussi peut-être une liaison entre différents types d'habitants. Et voilà, il faudrait continuer quand même à faire du lobby pour dans une coopérative pouvoir intégrer des logements subventionnés de la ville. Je pense que ça c'est dommage qu'on l'ait pas eu, qu'et d'autres l'aient pas. Après voilà, effectivement tenir aussi ça à l'échelle de la pièce urbaine ou aux échelles plus larges. Mais c'est sûr que nous, les coopératives d'habitants, quand on construit du neuf, on ne va pas faire du logement hyper accessible. Certainement pas. Donc même des coopératives d'habitants peuvent vraiment gentrifier un quartier en détruisant et en reconstruisant. Donc il faut aussi penser à la rénovation douce. Et voilà, il faut vraiment réfléchir chaque fois finement sur les échelles, les habitants qui sont déjà là, soit dans le quartier, soit dans l'immeuble où on va construire. Il faut réfléchir à ça à chaque fois. Et je passe la parole pour répondre sur Genève. C'est pas sur Genève, la question c'était sur la participation. Comment est-ce qu'on fait pour faire un quartier avec les futurs habitants? Comment est-ce que ces gens qui n'ont jamais dessiné un plan d'urbanisme peuvent contribuer à ça? La question elle est assez simple, c'est de dire que les habitants ne sont pas forcément des architectes, on ne leur demande pas d'être architectes. Par contre, on leur demande de contribuer à l'écriture du cahier des charges qui va définir le concours pour le plan d'urbanisme et le concours d'architecture. Donc voilà, c'est ça un peu la réponse, je pense, qui vous intéresse. Je pense qu'on va prendre encore une ou deux questions, et puis ensuite on va clôturer. Oui, j'interviens parce que là, en personne vaudoise, j'ai vécu un week-end assez extraordinaire où, pour une fois, on n'a pas perdu sur toute la ligne. Et avec l'acceptation sur le plan vaudois de la LPPL, est venue sur le terrain la possibilité dans le canton de Vaud des collectivités publiques, que ce soit au niveau canton, commune, d'avoir le droit de préemption sur les ventes immobilières. Et dans ce sens-là, j'arrive en fait dans votre cercle, puisque cercle il y a, pour dire, mais je trouve que la dynamique de la coopérative d'habitants est une chose assez extraordinaire et qu'elle a absolument besoin maintenant de montrer assez rapidement ses muscles dans la possibilité de pousser les collectivités, en tout cas, je prends l'exemple de Lausanne où il y a une majorité rose-verte, de dire
Maintenant, dans ce quartier-là, il y a un intérêt pour la population de toute la cité d'éviter non seulement la spéculation, mais aussi de calibrer une gentrification, pour utiliser un terme, un embourgeoisement de certains quartiers, par une dynamique de coopérative d'habitants. Est-ce que les intervenants qui interviennent depuis, avec les expériences d'Amérique latine ou de France ou de Zurich, ont des expériences de ce côté-là? Je ne sais pas quel, où Genève le droit de préemption existe, mais il est peu utilisé. Est-ce qu'on peut avoir des réponses là-dessus? Des réponses sur la question de comment est-ce qu'on garantit à long terme la non-spéculation du terrain et comment est-ce qu'on peut utiliser le droit de préemption pour acquérir des terrains? Non, c'est plutôt l'idée de donner des conseils au Vaudois de ce qu'on peut faire maintenant avec la FPPD. Je dirais que l'expérience française n'est probablement pas très bonne, parce que même quand les villes ont voté un droit de préemption, souvent ils n'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et que de plus en plus, aujourd'hui, vu que les dotations de l'État diminuent, les villes se cachent toujours derrière leur impossibilité financière d'utiliser ces droits, qui seraient intéressants, mais qu'ils estiment qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Une petite contribution genevoise sur la question. Il y a été créé une fondation qui a pour objectif d'acheter des terrains. Sur des fonds publics, d'acheter des terrains sur marché privé pour les remettre en droit de superficie aux coopératives. Donc cette fondation qui s'appelle la FPLC à Genève est dotée d'environ 20 millions par an, maintenant je crois un peu plus, et dont son objectif c'est vraiment d'acheter des terrains en utilisant le droit de préemption pour doter l'État d'un stock de terrains qu'elle peut ensuite remettre en droit de superficie à ses coopératives. Puis finalement, c'est une activité qui, économiquement, sur le long terme, marche très bien, vu que l'État reste propriétaire de ses terrains. Puis je crois qu'il y a la même en Amérique latine, grosso modo, pour remettre des terrains aux coopératives. Oui, alors c'est un travail de longue haleine. Pour la FOUGVAM, par exemple, depuis les années 70, c'est un travail de mobilisation sociale en continu. C'est-à-dire que, pour eux, dans leur idée, tous les habitants sont des activistes et ils se mobilisent très souvent pour faire des événements ou des manifestations face au gouvernement pour pouvoir changer la loi. Donc il y a une loi qui a été décidée en 1968, mais cette loi a évolué en 1990, puis en 2000, pour s'améliorer sans cesse. Et actuellement, ils sont en train de lutter pour pouvoir accéder justement à une réserve de terrain qui soit précisément attribuée aux coopératives. Mais c'est toujours pas en place. La lutte est toujours en route. Juste un bémol par rapport à ce que j'ai dit. En fait, il y a quelque chose qui est intéressant que le gouvernement actuel en France a instauré, c'est le transfert des terrains de l'État vers des projets d'intérêt général. Et ça, c'est un mouvement qui est assez important. Et c'est effectivement les terrains de l'État, notamment les terrains de l'armée, puisqu'il y a quand même pas mal de bâtiments de l'armée, de villes de garnison qui ont été abandonnés. Et aussi les terrains des chemins de fer, parce que vu la rationalisation de la manière d'utiliser effectivement les chemins de fer et surtout le fret, souvent il y a les terrains qui deviennent disponibles et ça c'est intéressant effectivement au niveau des possibilités d'obtenir des terrains. Est-ce que ça continuera parce qu'on a malheureusement les élections cette année et donc qui sait ce qui va arriver effectivement d'ici 6 mois, mais ok. Daniela, tu veux, je vais clôturer. Ok, je pense qu'on va essayer de clôturer la soirée parce qu'il y a un petit apéritif qui nous attend et puis on va pouvoir continuer les discussions là autour. Je pense qu'en résumé, il y a 3 points sur lesquels on a pu voir qu'il y avait vraiment des éléments clés. C'était de dire il y a un intérêt à partager ces expériences, à échanger, parce que c'est ça qui va nous permettre de finalement nourrir notre pratique et puis de garder cette mobilisation.
Et un deuxième point qui est de dire, bah oui, là, si on veut créer un mouvement, il y a un réel besoin de faire cette masse critique, parce que c'est ça qui va permettre d'acquérir des nouveaux terrains, de pouvoir continuer à avoir une politique publique de soutien pour ça. Donc il faut démontrer cette capacité à faire mouvement. Et puis peut-être aussi le fait que si on collabore, si on a cette échelle de travail commun, on peut arriver à développer des nouvelles échelles aussi de projets, des échelles de quartier. On peut arriver à développer finalement une politique de la ville qui soit en soutien de ces coopératives et basée sur ces coopératives. En tout cas, c'est quelques pistes, je pense, qui démontrent l'intérêt à renforcer cette collaboration, qu'elle soit à l'échelle régionale, à Lausanne ou dans le canton de Vaud, ou alors intercantonale entre ces différents mécanismes pour s'inspirer et puis pour faire transformer ces politiques, et également internationale, parce qu'on voit finalement que ces dimensions-là, qu'elles soient en France, qu'elles soient en Amérique latine, les dimensions sont exactement les mêmes, les enjeux sont toujours les mêmes, on est toujours en train de chercher à accéder à un terrain, à accéder à un financement et à développer des projets. Je pense que finalement, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui qui se joue de créer un mouvement sur l'habitat collaboratif. Puis je pense que ça ne va pas se créer en deux minutes, mais je pense que c'est important qu'on puisse continuer à travers les différents événements qui ont été mentionnés. Alors, une visite des coopératives zurichoises par l'association EcoQuartier, une conférence sur les coopératives romandes à Zurich organisée par les Zurichois avec une visite des coopératives zurichoises plus ou moins à la même semaine, et puis plus ou moins également la même semaine. Non, c'est pas mars ? En mars et en mai. Ah, désolé, voilà. C'est ça, ou 20 ans. Et puis, au mois de mars également, donc un événement sur lequel vous recevrez certainement des invitations, mais il y aura les représentants de ces différentes coopératives internationales qui seront présentes, donc, que ce soit d'Amérique latine, d'Asie, d'Afrique, des États-Unis et du Canada. Donc on aura finalement une perspective plus internationale qui vous sera proposée à Genève. Vous recevrez certainement l'information si vous avez... mis votre petite adresse contact sur la liste de présence de ce soir. On se permettra de vous envoyer les informations sur les prochaines conférences. Et puis la Fondation Charles Oppelmeyer va nous conclure ça. Donc je remets ma casquette de fondation. Et pour vous annoncer que la prochaine conférence, dans un mois, la date m'échappe à l'instant, mais elle est affichée à la sortie, sera sur les... sur l'alimentation et les villes. Donc on reste toujours assez proche de ces questionnements. On a parlé de la maison, mais c'est vrai qu'il faut aussi manger. Et aussi, exactement de la même façon que sur les coopératives de logement, on a des tentatives d'institutionnalisation de choses qui ont été à la base des initiatives citoyennes sur l'alimentation. On a un processus assez similaire où on est passé en France des AMAP ou à Genève, il y avait des différents jardins d'agriculture contractuelle qui, je pense qu'il existe des équivalents aussi dans le reste de la Suisse et qui sont peu à peu, qui ont réussi peu à peu à faire politique publique en tirant, en poussant, en réclamant, mais aussi en montrant par l'exemple que ça marchait. Et actuellement, le pacte de Milan, qui était le résultat d'une grande conférence qui a eu lieu à Milan il y a deux ans, est une sorte de charte que les villes peuvent signer et pour mettre en œuvre une politique urbaine de l'alimentation qui vise évidemment les principes du développement durable, mais aussi une certaine idée de ce qu'on peut se faire du goût et de la culture finalement, qui sont des éléments absolument fondamentaux pour penser l'alimentation au même titre qu'on pense le logement. Et donc je vous invite à venir rencontrer le RED qui organise cette conférence, qui est une association présente ici, mais également une représentante de la ville de Lausanne, Samira Dubar, si je ne m'abuse, et également Damien Conaré de la chaire UNESCO d'alimentation qui est basée à Montpellier, qui vont donc nous parler de cette mise en œuvre du pacte de Milan dans différentes villes européennes. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et un bon apéro.